Ce bâtiment derrière moi, c'est le dernier né des hôtels Bastier. Sur les hauteurs de la ville, à proximité de l'école Jeanne d'Arc, il n'est pas encore ouvert, mais c'est une question de semaine. C'est un hôtel 3 étoiles, spécialisé dans le tourisme d'affaires, avec 60 chambres et 9 appartements. Cet établissement hôtelier, ce n'est pas le seul à avoir vu le jour à Bastia. Sur les 3 dernières années, pas moins de 4 hôtels se sont construits. Un hôtel 3 étoiles à la sortie du port, un hôtel 3 étoiles tout près du centre et un hôtel 4 étoiles à la citadelle. Nouvelles offres donc et une montée en gamme qui concerne surtout le tourisme d'affaires. C'était un manque à Bastia. Pour l'hiver, on a surtout une clientèle de tourisme d'affaires, donc surtout en début de semaine, des commerciaux qui viennent du continent, un peu de locaux qui viennent du sud, Ajaccio. Comme on est situé au niveau de la gare, de la préfecture, etc., il y a vraiment, je pense, un essor dans ce tourisme-là. Désormais, Bastia compte 18 établissements hôteliers, ce qui correspond à 1143 lits exactement. Fort de son patrimoine architectural et historique, la ville espère attirer de plus en plus, et ce, tout au long de l'année. En Corse, le principal moteur de l'économie reste le tourisme. Il représente 24% du PIB.